pas forcément livresque, et que la culture, elle est aussi dans des formes d'expression qui n'ont pas forcément le droit de citer dans nos établissements, quoique les choses sont en train d'évoluer avec l'ouverture d'une classe musique au sein de l'établissement. Donc on peut dire que ce qu'on fait, c'est sérieux, et que effectivement c'est important pour vous qui êtes dans un processus de formation, dès le moment où on considère que la musique et l'histoire font partie de notre patrimoine universel, et particulièrement, alors pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le patrimoine de l'Amérique latine, la musique et la danse occupent une place extrêmement importante dans ce qu'on appelle le sous-continent, un espace qui est véritablement marqué par le brassage des peuples qu'on va parler. Pour moi, la salsa, vous savez, le mot salsa en espagnol veut dire la sauce, donc la salsa, c'est vraiment l'expression, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est une forme d'expression qui s'inscrit dans une culture latino-américaine qui s'est forgée au cours des siècles par justement un certain nombre d'apports hein, de différentes cultures, la culture occidentale, la culture asiatique, la culture africaine. Et donc cette culture latino-américaine, elle est on va dire, une synthèse parfaite de ces cultures. Mais comme l'être latino-américain, comme le latino-américain, est une synthèse parfaite d'un certain nombre de peuples. C'est le philosophe et professeur José Vasconcelos, un Mexicain, qui disait que les latino-américains étaient la raza cosmica. Alors on s'intéresse à une culture qui a été naturellement pendant assez longtemps critiquée, raillée, et qui est assez récemment remise à l'honneur par un certain nombre d'historiens de la musique, des musicologues, mais aussi par ces artistes eux-mêmes. Vous avez la photo d'une des grandes figures du monde de la salsa, qui est Catalino, son surnom Tite, Catalino Curet Alonso. Et qu'est-ce qu'il, dans cette citation que je vous indique, il rend hommage au créateur de cette culture, de cette musique, de cette danse qu'on peut définir comme populaire, mais qui est analysée dans ce contexte latino-américain, donc de brassage des populations, et puis aussi un monde naturellement traversé par un certain nombre de questions sociales, notamment la question de la marginalité, la question de l'asservissement, la question aussi de la place de ces communautés marquées au fer rouge, ces communautés issues de l'esclavage. Donc parler de la salsa, c'est aussi parler de la constitution de ces sociétés latino-américaines. Et Tite, quand il essaye de remettre à l'honneur les artistes de la salsa, il s'inscrit en fait dans toute une revendication qui consiste à essayer de redonner de la dignité à des populations qui ont été au cours des siècles marginalisées. Alors la salsa, aujourd'hui, elle est très à la mode. C'est-à-dire qu'il est de bon ton de s'inscrire à des cours de salsa, de pratiquer la salsa. Mais à l'origine, ça n'était pas ça du tout. La salsa, on va en parler au cours de cet après-midi, mais elle va se constituer de façon progressive, en s'appuyant sur un certain nombre de formes musicales déjà existantes. Mais celui qui pratique la salsa, aussi bien musicalement que par le corps, par la danse, il s'inscrit dans une culture qui est marginalisée, qui est l'objet, on va dire, de critiques de la part de l'élite. La salsa, ça n'est pas la musique des Blancs, la salsa, ça n'est pas une forme d'expression intellectuelle. Donc vous avez un certain nombre de citations qui indiquent que assez vite, on décrit la salsa comme finalement un sous-genre, une musique sans grand intérêt, aussi bien au niveau de la forme des harmonies que des paroles. En fait, la salsa, elle va vivre exactement la même expérience que le tango ou d'autres formes musicales, comme le jazz ou comme le rock. C'est-à-dire qu'on les marginalise au début, on les critique, mais ce sont des formes d'expression qui vont résister et qui vont finalement s'inscrire dans le temps et convaincre un public extrêmement large, bien au-delà des frontières du Nouveau Monde. L'histoire de la salsa, c'est une histoire qui est finalement récente. C'est-à-dire que la salsa, elle va apparaître
mais on va dire dans ce qu'on peut considérer comme une gestation dans les années 20. Hein, vous voyez, c'est une forme récente. Elle va naître véritablement dans les années 60 et elle va trouver dans les années 70, milieu des années 70, elle va connaître véritablement son point de culmination. On va pouvoir parler de maturité de la salsa. Aujourd'hui, la salsa existe naturellement. Elle évolue au contact d'autres musiques, puisque la particularité de la salsa, c'est d'être une forme d'expression extrêmement ouverte. C'est une histoire récente, mais c'est aussi une histoire millénaire. C'est-à-dire que la salsa, la sauce, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est l'expression de ce continent latino-américain qui s'est constitué avec l'arrivée des Européens, avec l'arrivée des Espagnols et des Portugais. Je vous rappelle que les Espagnols et les Portugais étaient des peuples déjà multi-ethniques. La péninsule ibérique, c'était un espace multi-ethnique. Donc ils vont conquérir, coloniser, asservir, évangéliser aussi des populations autochtones qui vont d'ailleurs dans certaines zones complètement disparaître. Et puis cette histoire, vous connaissez l'apport africain avec l'esclavage, hein, le commerce triangulaire. Et puis il ne faut pas oublier naturellement ces vagues successives d'émigrés, des émigrés européens, des émigrés qui venaient un peu de partout, d'Asie, dans l'idée de faire fortune, puisque l'Amérique, ça reste depuis le 15e siècle, c'est en fait la terre des utopies, c'est la terre où tout est possible. Donc la salsa, c'est un point d'aboutissement de quelque chose qui se met en place, mais depuis des siècles, et qui, renvoie à ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est-à-dire une rencontre, une fusion de différents éléments. Alors ça peut être des instruments, hein, c'est-à-dire par exemple les instruments typiquement européens, moi je pense à la guitare qui est vraiment le symbole hispanique, et tous ces instruments à cordes pincées, hein, et qui vont rencontrer les percussions par exemple africaines. Donc ça c'est le syncrétisme au niveau des instruments, mais aussi au niveau de la ligne mélodique, au niveau du chant. La salsa ne sera que le point d'aboutissement d'un certain nombre de formes musicales qui vont apparaître en Amérique latine et qui sont le fruit de ce reste. Un moment important, c'est 1898, c'est l'indépendance de Cuba. Et c'est naturellement, du point de vue de l'identité, un moment très important puisque Cuba s'affirme comme définitivement autre, différente de l'Espagne. Et donc dans ce processus d'indépendance, dans cette conquête de l'indépendance, il faut trouver un mode d'expression. Il faut dire la cubanité, hein, ce qu'est Cuba d'une façon ou d'une autre, et ça peut passer naturellement par la musique. Et vous allez avoir à cette période des formes musicales, hein, qui vont commencer à germer, qui viennent même parfois, c'est le cas du dancehall, qui sont des formes musicales déjà plus anciennes. Mais vous avez ces formes musicales qui vont s'imposer, hein, c'est le son par exemple, c'est le dancehall, c'est la rumba, qui vont, à partir de ce mouvement d'indépendance, à partir de la constitution de l'indépendance cubaine, qui vont s'affirmer comme des genres musicaux propres à Cuba. Ce sont ces trois genres là, il faut retenir les noms, donc le son, le dancehall et la rumba, qui seront véritablement la colonne vertébrale de la salsa. Je m'arrête simplement avant de laisser Silvio vous prendre en charge. Dans ces trois formes musicales, peut-être la plus importante, il me semble, c'est ce qu'on appelle le son, hein, el sonido, c'est-à-dire le son, qui va s'affirmer véritablement dans les années 20, comme la musique cubaine. Alors ce son va démarrer, va naître à l'est de l'île, hein, Cuba, hein, dans la région de Santiago, dans la cordillère de la Sierra Maestra, et puis dans cette province de Guantanamo dont on parlait ce matin, hein, Guantanamera. Vous voyez, Guantanamera, c'est plus un rythme de rumba, mais c'est dans cette zone-là que va véritablement proliférer le son. Alors le principe du son, vous vous en êtes rendu compte aussi ce matin, c'est quoi? C'est un échange entre un soliste et un chœur, donc le soliste qui prend, euh, qui,
prend les strophes en charge, et puis le chœur qui reprend le refrain. Et dans l'accompagnement du soliste, vous avez toutes sortes d'instruments qui peuvent être des flûtes, mais vous avez cet instrument que je vous ai mis là sous les yeux, qui est la guitare. Mais attention, la guitare cubaine, qu'on appelle el ples, vous voyez, c'est la particularité pour les musiciens, avec les cordes hein, qui sont regroupées en trois zones différentes. Et donc ce tres, il va devenir véritablement, après l'indépendance cubaine, un des instruments symboliques de l'île de Cuba. Hein, et on va le retrouver dans un certain nombre de formations. Voilà, mais le son, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un exemple de syncrétisme. C'est-à-dire que, bien sûr, vous avez le tres, qui est une adaptation cubaine de la guitare espagnole. Vous avez la flûte aussi, mais alors la flûte qu'on trouve dans toutes sortes de cultures. Et vous avez naturellement l'utilisation des percussions. Et au niveau du chant, une utilisation hispanique de la décima, qui est en fait une forme de vers bref, de vers court à 8 syllabes. Et vous avez aussi une adaptation des chants africains, avec cette alternance entre le soliste et le chœur. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut utiliser des termes comme afro-cubain. Il y a quelque chose qui se met en place à Cuba avec le son. Bon, le son sera une expression de cette culture afro-cubaine. Alors c'est une culture qui est plutôt rurale au début, et puis qui va partir à l'assaut des villes, et notamment la capitale, La Havane, hein, au début du siècle, hein, le son commence à faire un tabac. Donc on passe de groupes de cinq musiciens à des groupes un peu plus importants, avec des sextettes, ou des groupes de sept musiciens, par exemple. Et puis on voit apparaître d'autres instruments, comme par exemple la trompette, la contrebasse, etc. Et puis vous avez naturellement des formations qui vont devenir célèbres à partir de là. Bon, ce sont des musiques qui vont évoluer naturellement dès le moment que les artistes ont des propositions à faire. C'est-à-dire que voilà, on essaye, on tâtonne, on rajoute une ligne mélodique particulière, on rajoute un instrument particulier. Et naturellement, ce qui va faire évoluer le son dans les années 20, c'est l'utilisation de ces grandes percussions hein, qu'on appelle la tumbadora, et qui d'ailleurs va être interdit à Cuba. Par le président Machado, parce que on rappelle que cet instrument était souvent utilisé dans les rituels de la Santería, une sorte de vaudou cubain, et donc cet instrument a mauvaise presse, hein, le pouvoir ne l'apprécie pas, le pouvoir va le censurer. Mais la tumbadora, naturellement, c'est une percussion qui va être utilisée après par les orchestres de salsa. Voilà, ça c'est la première partie. Bon. Je ne veux pas trop prendre de temps, donc j'avais fait une petite page. Je vous enverrai le diaporama de toute manière, vous relirez bien tranquillement. Et naturellement, il y a une petite page consacrée à la rumba, qui est une forme musicale qu'on trouvait surtout dans les quartiers pauvres, où s'entassaient les descendants d'esclaves africains, mais aussi pas mal d'ouvriers blancs. Et puis le dansong, qui lui a des origines françaises, hein, la contredanse. Contredanse, le menuet, et ce qui va expliquer pourquoi Silvio va certainement nous mettre en route. Les filles à côté, tous les garçons de l'autre. On va essayer de goûter, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, on escarpe, on revient, on escarpe. D'accord. 1, 2, 3. Alors essayez de vous décoincer juste au début, mais c'est dur, mais comme ça. Relâchez-vous, n'ayez pas honte, et regardez pas les autres en face qui fait. Ok. 1, 2. Donc à chaque fois, pour tous les pas de base, on salsa, on revient sur place. Faut pas s'écarter comme ça. On écarte pour revenir. Donc on compte, pour les comptes c'est un peu compliqué, c'est un peu différent. Sur les autres danses, on va compter tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais nous on compte en, si vous voulez, en 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. D'accord ?
C'est pour ça qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Alors, il faut déplacer. En centre de gravité, il faut déplacer. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas rester ici. Là, on est dans une danse. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Et je ne fais pas là, ça ne joue pas. En référant justement avec voilà. Les combats, parce qu'un combat c'est une danse à part, on fait 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 3, 2 derrière, 3 derrière, et 1, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, bien, 5, 6, 7, vous ne pouvez pas passer mal, en miroir. D'accord, filles et garçons. Par contre, le troisième pas de base, là, les garçons, c'est pour vous, c'est pas évident, on va être complémentaire. Donc, quand on va avancer, les filles, vous allez reculer, et vice-versa. Vous voyez, c'est le mambo. 7, 8, ça va faire. Derrière pour les filles, voilà, derrière pour les garçons. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Gauche, droite, gauche, les garçons. Droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche.
día lo mismo sea donde voy. En invierno y de vacaciones, recordándome de quién yo soy. Hoy contigo vivo en la mañana, por ahora ya va todo bien. Aunque sé que no me faltan ganas para irme con otra también. Para irme con otra también. ¿Cuántas veces que me ha pasado que un olor me hace devolver? Un perfume ajeno de otro lado me resuelve y quiere detener. Y es entonces que siento que es algo, que tenemos algo tú y yo. Yo te aprecio y sé lo que valgo, no hay duda de eso, cómo no. ¿Cuánto quise yo algún día encontrarte, compartir? Y hoy que sé que no eres mía, me es difícil no sentir, no sentir. Sabría que estoy loco, lo digo yo. Loco, loco, loco de aventura, de amor. Sé que estoy loco. Aunque la gente no lo diga, yo sigo haciendo mi vida y cómo no. Loco.